C'est que par le karaté en club, donc à 3 ans et demi, très tôt. Mon frère et ma sœur en faisaient, j'ai voulu essayer, donc je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça m'a tout de suite plu et j'ai continué en compétition à partir de 9 ans, j'ai fait championne de France à 9 ans. Voilà, donc j'ai envie de dire et j'aime bien dire que c'est le karaté qui m'a choisi. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon sport et je pense que ce qui fait que j'y suis autant attachée, c'est les valeurs. Parce qu'avant d'être un sport, c'est un art martial et pour moi, c'est vecteur de valeurs très importantes que j'aime appliquer également dans ma vie en général. Alors le meilleur, c'est compliqué à dire. Forcément, il y en a un tout récent et que je peux pas négliger, c'est mon titre de championne d'Europe senior, mon premier titre majeur en senior. Donc voilà, c'est un beau titre, mais il y a également d'autres compétitions. Il y a une compétition en 2014 où je fais également championne d'Europe, mais c'était chez les jeunes. Mais en termes de sensations, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est peut-être mes deux souvenirs les meilleurs. Pour les enfants qui voudraient commencer le karaté, je leur conseillerais de foncer, tout simplement. Parce que déjà, je pense que c'est un sport qui permet de bien se défouler, donc peut-être pour les enfants un peu dissipés, ça peut les aider à se discipliner, à être un peu plus serein. Et comme je l'ai dit juste avant, le karaté, ça amène quand même beaucoup de valeur. Donc je pense que pour l'épanouissement personnel, c'est très, très porteur. Quel est ton animal préféré ? Alors, le lion, la lionne, mon signe astrologique. Ton plat préféré ? Côtelette d'agneau grillé. Ta couleur préférée ? Le blanc. Ton élément préféré ? Le feu. Ton film préféré ? Je dirais la saga Seigneur des Anneaux. Ton style musical préféré ? Le rap. Ton sportif ou ta sportive préférée ? Il y en a beaucoup, préféré c'est difficile, mais je dirais quand même Usain Bolt. Ton héros préféré ? Je suis un peu féministe sur les bords, donc je dirais Wonder Woman. Et quelle est ta devise ? Rêve grand, crois, crois en toi, travaille dur et tout est possible.